Bonjour, ce sont les live art de Charles Dimenet. Aujourd'hui, j'ai un personnage qui s'appelle Christian Thiroux. Quand je l'ai croisé, il m'a parlé d'un noble art, hein, comme le live art de Charles Dimenet. Et il va vous parler de ce noble art pour moi qui est tellement important, qui est les racines, vraiment les racines des nobles arts. Quand on dit les racines des nobles arts, il va nous présenter d'où vient, qu'est-ce qu'il est. Voilà, c'est Christian Thiroux. Bonjour Charles, d'abord merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je m'appelle donc Christian Thiroux, j'ai 68 ans. Je suis né à Huy, en Belgique. Bon, je gravite un peu dans le monde du cyclisme, mais en fait, c'est surtout mon père qui a gravité dans le monde du cyclisme. Vous venez de me dire que votre père a gravité autour du cyclisme. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont ses rencontres donc, c'est le noble art, c'est ça? C'est le cyclisme. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a croisé? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas en Belgique événement. Dans sa jeunesse, il a tout d'abord été coureur cycliste junior international, ça s'appelait à l'époque. Donc il a fréquenté quelques grands noms de l'époque, comme pour nous Belges, Marcel Kint. Hein. Bon, je prends cet exemple-là. Et puis bien sûr, bien des années plus tard, il a absolument voulu rentrer dans un club qui organisait des courses. Et le tout premier club, ça a été le Pesant Club Liégeois. Donc là, on l'a engagé. Quand on a vu ses aptitudes et ainsi de suite, et pour cause d'absence parfois du patron, il s'est retrouvé directeur de course comme M. Prudhomme maintenant, déjà depuis un petit temps, mais chez ASO. Donc vous savez, c'est le monsieur qui passe par le toit et qui donne les ordres pour les motards, enfin pour les voitures et ainsi de suite. Et puis, suite à une petite querelle entre lui et le patron, il s'est rabattu vers la Flèche Wallonne, qui est aussi devenue une classique mondiale. Et là, pour y rentrer, il a été aidé par le Motor Club de Huy. Donc ça, c'est un club qui organise différentes...